gagne un budget pour bureau sénateur à travers département. Si on achète, par exemple, yon poubelle pour mettre dans le bureau sénateur, si sénateur achète lui-même, la voyez facture. Si c'est bureau après l'acheter, il demande 3 factures. Maintenant, dans la gestion, il va regarder pour voir qui est-ce qui offre, qui va en offre qui est meilleur. Maintenant, je dis, ça nous allons chercher comme sénateur, c'est regarder est-ce que par un côté, il y a surfacturation. Est-ce que par un côté, il y a un délit d'initié. Car délit d'initié, pour le monde qui a regardé nous, la capteur de nous, c'est lorsque moi, c'est sénateur, moi qu'on est, il y a une route qui peut le faire de tel côté, ou bien un vrai matériel de bureau, et puis on courir faire une petite entreprise, bam, qui a vendu matériel de bureau avec, et administration que je m'en ai pour me soutirer l'argent. C'est des lits initiés. Maintenant, est-ce que pas des lits initiés? Si il y a ça, on a dit oui, il y a corruption. Mais tant qu'on peut prouver, on est capable de dire qu'il y a corruption. Oui. Je vous dis, à moi, parce que dans le discours qu'il y a là, c'est bien pour la population, pour la garder ce qui a passé dans toute administration publique, là, dont le Sénat. Garder, est-ce que par exemple, on a dépensé mal? Garder, est-ce que par exemple, on a gabegie administrative? Et ça permet tout. Tout le monde connaît et les a géré bien l'État. Ce n'est pas bien papa et maman qui l'a géré. Par conséquent, il y a des comportements que nous devons gagner.